arrivée en cours d'année, mademoiselle Perrin. Sarah. Donc je vous lâche en fille. C'est l'année de terminale, l'histoire passionnelle, vampirisante entre deux jeunes filles. Alors, moi, c'est Charlie Citrinovic. Voilà. Et Sarah, qui est donc la perverse narcissique. J'avais écrit pour elles, j'avais leurs photos sur mon bureau. Et toi ? Quoi, moi ? Enfin, raconte-moi quelque chose. Hein. Regarde ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est surtout qu'elle nous a fait confiance, parce que c'était pas forcément évident, enfin, en tout cas pour ma part. Et ça te donne encore plus envie et encore plus d'énergie pour te dépasser, d'avoir quelqu'un qui t'offre cette confiance-là. Puis surtout une si belle histoire, forcément on a juste envie de servir le scénario qu'on avait entre les mains et puis bah, aussi d'être avec Mélanie et de vivre cette aventure toutes les trois, voilà, de la manière avec laquelle ça s'est passé au final. Pour toi, je suis une copine de classe. Mais je sais pas, j'aurais dû dire quoi. On danse déjà tous les jours. Oui. On commence la journée en général en dansant. Donc ça détend. Après, des souvenirs forts, oui, il y en a plein. Elles ont dû passer tellement de... Elles ont dû se mettre dans tellement d'états qu'obligatoirement, voilà, on a toujours peur qu'il leur arrive quelque chose, qu'elles tiennent le coup, parce que c'est des journées un peu intenses. Mais en même temps, voilà, une fois de plus, quand on est dans la confiance... On peut aller très loin sans qu'on ait besoin de passer par des moments de... On n'a pas besoin de sas, en fait, si dès le départ, ça va. Shadow settle.